Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon Let's Play Hearts of Iron 3. Me voilà donc parti de la Grèce de nouveau. J'ai dû quitter le continent américain. Mais je dirais que cette fois c'est pour la bonne cause. C'est pour vraiment moderniser mes troupes. Alors le voyage de retour vient de commencer. Alors je sais pas pourquoi il y en a qui passent par là, d'autres par là. C'est un peu n'importe quoi. C'est pas grave. Je pense qu'il était urgent de quitter la Grèce parce que les Européens, enfin en Europe c'est le calme à peu près. Bon, il y a encore quelques foyers de milices là, mais du coup je pense qu'on aurait eu affaire à un nombre de troupes assez impressionnant là. Je pense qu'ils étaient sur le retour. Et on aurait eu, à mon avis, quelques petits problèmes. Donc là, on n'arrive pas à se débarrasser de ces troupes là, c'est impressionnant. Il perd tellement pas vite son score que... Merde, j'ai réussi à perdre là. C'est pas cool. Mission... Ah bah ça c'est bien ça. Efficacité des groupements aériens embarqués. Comment elle s'appelle cette science? Contingent de porte-avions. Ah non, c'est peut-être là plutôt. Non. Je le vois pas, contingent de porte-avions. Ce qui nous donnera. Ah, parfois c'est un peu chiant de retrouver les sciences. Contingent de porte-avions, sérieux. Je suis aveugle, je pense. Je vois pas alors que ça doit être. Je peux même pas faire celui-là. Infanterie aéroportée. Ah oui, d'accord. Donc du coup, c'était celui-là. Voilà, c'est pour ça, c'est parce que c'était une science unique. Je pouvais donc pas le trouver à l'endroit où je cherchais. Donc là, je vais attaquer avec ça en plus. 44. Il y a toujours bon, cette bataille-là. Normalement, il devrait pas avoir de ravitaillement assez rapidement. Là, c'est toujours pas bon. Ça s'accélère. Croiseur léger positionnement. Ah, ça c'est bien. Une science de plus à jour. Et du coup, on est bon là. En plus, je suis à 139, donc j'ai largement diminué les chiffres. Là, je suis à 23, donc c'est pareil, je peux diminuer un peu. J'ai l'impression que ça augmente. Et il me faudrait 26 projets, donc là c'est bien. Infanterie mécanisée, que je réfléchisse. Je vais quand même faire l'infanterie de marine, l'infanterie aéroportée, les équipements de nuit c'est trop tôt, faut que j'améliore un peu les ingénieurs, la police aussi. Ensuite, deuxième page. Donc là je suis en train de faire l'artillerie lance-roquettes. Là il faudrait que j'améliore ça du coup. Blindé, artillerie. Il faudrait que j'améliore ça parce qu'il y a la mécanisée. Vitesse. Ouais, ça améliore les mécanisés. Donc il faut que je fasse ça aussi. Et là, j'ai beaucoup de retard. Mais d'un autre côté, ça va être rapide. Hein. Vu le retard. Attaque des cibles non blindées. Ok, donc là. Il me reste les sous-marins, j'en ai plus de sous-marins, je les ai tous perdus. Je vais faire les recherches et je vais m'en refaire une série bientôt. Là par contre je suis à jour, ça fait plaisir. Les croisiers super lourds là, je les ferai pas. Là par contre je suis plus à jour. Mais c'est pas trop ça que je veux faire en fait, ce serait plutôt toute cette page qu'il faut que je fasse. Parce que j'ai énormément de retard. Et c'est ce qui fait que mes avions, à mon avis, n'y arrivent pas. À chaque fois, on s'en prend plein. Donc je vais mettre la priorité sur ces sciences parce que là, je suis en train de refaire tous mes groupements aériens embarqués. Et j'aimerais pas les voir
les perdre en quelques batailles juste parce qu'ils sont pas assez modernes. Ok, donc ça c'est cool, je vais aller aider là-bas, j'en ai bien besoin, je crois. Je sais pas où les Allemands vont chercher tout leur ravitaillement, mais ils me mènent quand même la vie dure. Celui-là, c'est dans combien d'heures? 37 et 35, d'accord. Là, c'est pareil, ils ont quasiment plus rien depuis je sais pas combien de temps, mais ils résistent. Je crois que je vais ouvrir un nouveau front par là. Je vais essayer en tout cas. Là, j'avance. Encore de la résistance. Donc là, je suis à peu près. Non, je vais continuer. Bon, là, je devrais l'achever. Voilà. Parfait. Donc tout ça va continuer à remonter. Ça, pareil. Donc là, il faut que je revienne ici pour prendre cette province. Ce qui m'embêtait, c'est plus ici. Remarque, non, je dois pouvoir y aller aussi. Ouais, j'ai plus trop de d'unités en fait. Ici. Bon, là, ils avancent, c'est normal. Je pense que je suis revenu. Non, toujours pas. Ah, j'arrive. Je vais plutôt aller au nord là, pour éviter les avions ennemis. Parce que rien que de passer là, on se fait bombarder. Ah merde, j'ai pas regardé ce que c'était. C'est pas moi ça, hein. C'est les Américains. J'espère qu'on va y arriver. Que 3% là, sérieux. Modificateur de nuit. Je crois que je suis obligé d'attendre les renforts. Je voulais tester pour voir, mais c'est toujours pas bon. Alors, résistance, je vais continuer. Ah putain, 3 d'un coup quand même. Ils sortent bientôt, mes convois, là, ça commence à me stresser. Le 14 novembre, dans 14 jours. Ouais, je pense que ça va. Pas de panique. Ouais, là, ça passe comme dans du beurre pour l'instant. Là, je vais de nouveau tenter une attaque, mais. Putain, 33, c'est pas beaucoup. Ah, là, je devrais l'avoir quand même. Faut peut-être pas pousser. Cochin, normalement, j'ai plus de convoi vers Cochin. Ah non, mais c'était un convoi de. Tiens, Atina, je peux laisser tomber. Cochin, c'était un convoi de ressources, pas de ravitaillement. Ok, là, c'est plutôt bien. Je manque d'unité quand même. Là, faudrait que je fasse un petit tour ici. Faut pas que je laisse des trucs derrière moi. Des unités adverses derrière moi. Ok, ça c'est bien. 30 d'industrie, d'accord, de surplus. Je produis quasiment tout là, 476 sur 467. C'est où ça? Oh merde. C'est pas très bon là, j'avoue. Ah oui, mais il est quasiment mort, c'est pour ça. Je vais me replier ici. Là, du coup, je vais arrêter l'attaque. Faut absolument que je remonte des troupes plutôt. Il est sûr que c'est le chemin le plus court. Ouais. J'ai trop de troupes.
au sud et pas assez au nord. Là, par exemple. Alors, encore de la résistance. Ah non, capacité industrielle. Donc ça, je vais continuer à mettre ça en Écosse. Pour l'instant, j'avoue que ça sert pas à grand-chose, hein, étant donné que j'ai pas assez de ressources. Mais le jour où je veux vraiment me récupérer des ressources, par contre, j'aurai un très très gros potentiel. Parce que mine de rien, j'en ai fait pas mal. Ok, ça c'est cool. Là, on va pas y aller, évidemment. Je vais laisser mon char y aller. Cuirassé, positionnement, c'est doctrine de la concentration de la flotte améliorée. Donc là, je dois être à jour, ouais. Alors, capacité industrielle, ça c'est bon. Oh putain, tout ce qui sort comme avion. En plus, il y a de tout et de n'importe quoi. Du coup, en clair, faut pas que je reste là. Ça tombe bien, on repartait de toute façon. Il faut que j'aille chercher des troupes encore. Alors, mes troupes, je vais. Ah non, faut que j'attende que tout le monde soit revenu. Sauf si j'ai un corps complet, mais ça m'étonnerait, non. Les croiseurs légers en ont pris plein la tête là. J'ai pas une autre flotte un peu meilleure là. Putain, mais comment c'est que mes navires se réparent pas quoi? C'est une catastrophe. Pourtant ils sont plus bombardés. Je crois pas en tout cas. Et lui, il a pas d'autre chose à faire que de longer la côte, quoi. Sérieux. Il se suicidaire, hein. Je crois pas que ce soit le meilleur chemin. Donc là, j'ai pris la ville. Du coup, ça me met à combien? 36,8. Ah, j'ai dépassé les 35. Très bonne nouvelle. Là c'est bon. Ouais, là faudrait vraiment que je ramène plus de troupes. J'ai envie de ramener ceux-là, de les placer là. Voilà. C'est pareil, eux je vais plutôt les ramener au milieu du champ de bataille. Capacité industrielle. J'ai l'impression que j'en ai fini avec les résistants. Alors, mais ça c'est parfait, ça passe comme dans du beurre. Et ça, par contre, ça passe un peu moins bien, mais je devrais pouvoir avoir des renforts. Kampala, c'est gagné. Donc je continue. C'est tellement long de traverser ne serait-ce qu'une province que... Tiens, groupement aérien embarqué, ça c'est cool. Je vais les mettre là. Alors, cette flotte-là, par exemple, elle pourrait avoir un avion de plus, ce serait pas du luxe. Ensuite, je vais aussi prendre cette flotte-là, qui devrait avoir 4 avions. Et qui, de fait, en a 0. Je peux m'installer direct comme ça? Ouais, ça va marcher. Par contre, je sais pas s'ils vont se mettre dans la bonne. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Bon, c'est pas grave. Donc du coup, là, j'ai libéré pas mal d'industries en finissant ces avions. Ce que j'ai envie de faire... Alors ça, je vais en lancer 17 de plus. Ça pour être tranquille, j'en lançais 11 de plus et je vais économiser des renforts pour faire d'autres avions encore. D'autres pour les groupements aériens embarqués. J'en ai pas assez, je suis sûr. Là, il a plus rien, c'est bien.
Je vais attendre d'avoir peut-être 5. Putain, 153 000 de déficit, c'est énorme. Enfin, 153, ouais, de déficit, c'est... Je sais pas si j'ai déjà eu autant de déficit dans une partie. Hein. Bon, maintenant on va plus se battre qu'en Inde. Donc déjà, j'espère économiser un peu. Comment je pourrais faire là? Je vais attaquer ici. Les officiers, c'est presque bon. Je vais encore diminuer les chiffres, comme ça, si je loupe le truc, ça me coûtera pas trop cher. Ça, je peux diminuer ça. J'ai toujours pas volé une seule science, hein. C'était le but à l'origine, mais ça marche vraiment pas bien. Bon, là, je devrais gagner. Là, j'ai quelques doutes, honnêtement. Faudrait que celle-là puisse venir aider, mais je vais attendre du coup qu'elle soit déplacée. Parce que j'ai l'impression que ça va être très très long, en fait. Bon, là, je vais gagner. Forcément, il a plus rien. Ok, là, c'est bon. 90, mais comment il fait pour avoir des chiffres comme ça? Alors que ma troupe, elle est au top, là. Je vais en ramener une. Là, je vais l'attaquer de flanc. Pour l'instant, elle peut peut-être pas attaquer. Ouais, 14 h. Ah, bah voilà d'autres groupements aériens embarqués. Ça, c'est cool. Quand je vois le nombre d'avions là qui se baladent dans mon... Tiens, il est encore en train de bombarder ma flotte, là. Je vais me réfugier ici. En fait, je vais me réfugier... seul endroit où ma flotte est vraiment protégée. Il faut que je protège ma flotte. Oh merde, j'ai rencontré une flotte. Merde, je vais sortir avec tout ce que j'ai là. Neuf contre 6. Oh, j'en ai perdu 5, quoi. J'hallucine. Ah non, c'est pas les miens. Ouf. Non, j'ai rien perdu. C'est les Américains qui ont perdu du coup. Donc là, il faut vraiment que je protège ma base maritime, hein, parce que je me fais bombarder dès qu'il en a l'occasion. Il n'hésite pas. Alors, utiliser comme port. Normalement, là, j'ai fait le plein, entre guillemets. Ouais, ça m'a l'air d'être bon, hein. 4, 4, 1 et 1. Mais il m'en faut encore d'autres, hein, parce que j'aimerais bien faire une autre flotte de guerre. J'ai presque de quoi la faire d'ailleurs, mais il manque, je crois, un croiseur cuirassé et peut-être un croiseur lourd aussi, ou deux croiseurs lourds. En tout cas, ça, je vais en faire tout de suite 2. Faut que j'attende, j'ai pas fait assez d'effectifs. Ah putain, c'est pas drôle là, les chiffres, je les aime pas du tout en fait. Comment on sait qu'ils sont aussi mauvais? Là, déjà, je vais me déplacer ici. Là, je vais me déplacer ici. Ah merde, faut faire un détour par là. Bon, là ils sont mauvais, mais ils sont trompeurs, je pense qu'on passe. Mais là, je crois pas être capable de me défendre. Hein. Ah, hyper vite quand même, hein. Il est en double combat à mon avis. Là, j'ai envie de lui couper la route si je peux. Bon, là, c'est normal, hein. Il progresse, il n'y a plus personne pour l'en empêcher. Je vais aller là. Là, je peux pas aller. Là non plus. Il y a plein d'endroits où il n'y a pas de.
pas d'infrastructure. Faut que je le chasse absolument, faut que je reprenne toutes les provinces. Sinon, il pourra de nouveau entrer en Norvège. Bon, bah là, je vais de nouveau étendre des routes. Je vais tout de suite fuir. Là, du coup, je vais arrêter d'attaquer parce que c'est même pas la peine. S'il n'est pas en double combat, c'est même pas la peine d'espérer. Là, j'espère lui couper la route quand même, hein. Mine de rien. Là, je continue. Parce que je suis quand même assez rapide avec mon blindé, donc... Il y a peut-être un moyen d'y arriver. Enfin, je sais pas trop ce qu'il y a à lui détruire, ceci dit. Il y a pas mal, en fait. Non, non, il n'y a pas grand-chose. Il y a deux divisions d'infanterie, mais c'est tout. D'ailleurs, on va être fixé assez rapidement. Quand je vais arriver ici, hop. Non, je ne saurais pas ce qu'il y a, ça a été détruit directement. Donc, je